La police nationale célèbre aujourd'hui ses 69 ans d'existence. En période à cet anniversaire, des panels sur l'évolution de la police de 1949 à nos jours se tiennent à Ouagadougou. Dans un contexte marqué par le terrorisme et le grand banditisme, les débats portent aussi sur les nouveaux défis qui se posent à la police. Le ministre de la Sécurité a procédé au lancement officiel des activités commémoratives. Nongba Kouda, Abdoul Rasmane Zongo. Ce 28 décembre marque le 69e anniversaire de la création de la police nationale. Cette cérémonie est le lancement officiel des activités commémoratives, au nombre desquelles des panels sur l'évolution de l'institution policière de 1949 à nos jours. 69 ans d'existence, je pense que ça doit se fêter quand même. C'est aussi un moment d'introspection, un moment de bilan, pour voir tout le parcours passé et envisager aussi, sous de meilleurs auspices, l'avenir. Le terrorisme et le grand banditisme constituent aussi une thématique centrale d'actualité. C'est des défis qui, si en tout cas de façon conjuguée, si nous conjuguons nos efforts, des défis qui ne sont pas insurmontables. Il faut la collaboration des populations. Il faut la conjugation de tous les efforts afin que, en tout cas, nous puissions arriver au bout de l'action de ces forces du mal. À l'orée du nouvel an, le ministre en charge de la sécurité annonce que des mesures sont prises pour garantir la sécurité des Burkinabés. Également, une minute de silence a été observée à la mémoire des soldats tombés suite aux attaques terroristes.